Sepenta, comment ça va pour moi les gars? Ça va super bien. Nouvelle vidéo les gars aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Avant que la vidéo commence les gars, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est extrêmement important les gars. Ça me fait plaisir, tu t'abonnes en fin de vidéo si la vidéo te plaît, je vais pas te forcer à t'abonner maintenant si tu me découvres et que t'as pas vu l'intégralité de la vidéo. Les gars, je vous remercie énormément, tous ceux qui ont mis mon code créateur dans la boutique les gars, vous étiez 70 à avoir acheté le pass de combat avec mon code les gars. Je vous remercie infiniment, ça me donne un petit peu de sous les gars, je peux faire plein de trucs avec. Notamment quelques projets avec des collègues youtubeurs, j'ai déjà quelques idées en tête, j'en ai déjà parlé avec quelques youtubeurs les gars. Vous en verrez plus dans les prochaines vidéos. Les gars, je suis désolé de l'inactivité qu'il y a eu avec la chaîne en ce moment les gars, j'ai dû gérer quelque chose d'énorme entre guillemets dans ma vie IRL, j'avais pas trop le temps pour faire des vidéos les gars. J'espère que vous serez compréhensibles, là je reviens en force les gars avec une petite vidéo combo de skin saison 10, je sais pas si ça va vous plaire, en tout cas je l'espère les gars, vu que je suis pas palier 100, j'ai fait des combos avec plusieurs phases du skin les gars, j'espère que ça va vous plaire. Bref, aujourd'hui les gars, on va demander les 400 likes, 400 likes les gars, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, les gars, on va directement attaquer le sujet de la vidéo, on va pas plus tarder. Donc pour le premier combo de skin, les gars, on se retrouve avec le skin griffeuse de Tilted, avec la cape Saba, la pioche H spectrale, le planeur X, donc le planeur du top 1 de cette saison, qui est plutôt magnifique, et la traînée faille fulgurante, donc la traînée aussi les gars, qui pète du cul. En étant honnête les gars, elle est vraiment belle. Dites-moi dans les commentaires les gars, dites-moi c'est quoi votre combo préféré, etc. Bref, pour le deuxième combo des skins les gars, on se retrouve avec le skin maître occulte, avec le sac ado aile des ombres, la pioche H luxurante, le planeur palmier de gloire et la traînée chauve-souris. Donc ce combo les gars, c'est un petit peu dans le rouge, dans le noir et le vert les gars. Franchement ce combo je l'aime bien, surtout avec la pioche et le planeur qui font ressortir la tenue du skin. Dites-moi aussi les gars si vous aimez bien ce petit combo de skin. Pour le troisième combo les gars, on se retrouve avec le skin maître occulte en rouge, donc la deuxième phase du skin comme je vous ai dit en début de vidéo, avec le sac à dos bouclier rouge, la pioche porte-botte, donc la pioche du poids sky, le planeur riposteur de la saison dernière si je me trompe pas, et la traînée erreur système. Donc les gars, si après ce combo les gars, normalement ce sera que des skins qui sont sortis récemment, donc pas forcément de cette saison. Je pouvais pas les gars vous faire tous les skins maintenant, mais dans une future vidéo les gars ça me dérange pas, mais là tous les skins qu'il y a dans la vidéo, c'est des skins qui sont sortis à la World Cup ou récemment, ou des phases de skins qui sont sortis récemment. Enfin bref les gars, pour le quatrième combo de skin, on se retrouve avec le skin déclic, donc de cette saison, avec le sac à dos guitare, donc celui-là les gars c'est mon combo préféré, il est magnifique, la pioche rupture, le planeur diaphane, donc le planeur qui était gratuit, et la traînée faille fulgurante. Donc comme je vous ai dit, cette traînée elle est magnifique, elle va avec ce combo, donc je veux pas me gêner les gars, je vous l'ai mis aussi. Bref, pour le sixième combo de skin, on se retrouve avec le skin déclic encore une fois, mais en noir, donc la deuxième phase, avec le sac à dos grimace, la pioche baguette étoilée, le planeur cœur volant et la traînée faille fulgurante. Donc encore une fois, belle petite traînée les gars, on va pas se mentir qu'elle passe avec tous les combos. Bref, pour le 7ème combo de skin si je me trompe pas, non le 6ème excusez-moi, donc le skin agent secret en blanche, donc comme je vous ai dit, un skin qui est une phase de skin qui est sortie récemment qui est plutôt beau, avec le sac à dos sacoche radical, donc c'est le pack à 20€ que beaucoup de personnes ont, la pioche sucre d'orge, le planeur aile fondue et la traînée foudre. Pour l'avant-dernier combo de skin, les gars, on se retrouve avec la guerrière du mondial, donc le skin World Cup, avec le skin le sac à dos anémone, la pioche flamant rose qui est sortie il y a longtemps, le planeur symbole sombre et la traînée foudre. Les gars, si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, dites-moi vous avez combien de points en arène sur la saison X, les gars. Il n'y a que vous qui pourrez comprendre, tous ceux qui sont pas allés jusqu'à ce rythme de la vidéo, vous pas comprendre dans les commentaires pourquoi ils vont voir plein de chiffres. Les gars, ça reste entre nous. Donc, pour le dernier combo de skin, on se retrouve avec le skin poids sky, donc le style de la World Cup, avec le sac à dos gros calibre, la pioche porte-botte et le planeur X et la traînée bariolée. Donc les gars, j'ai essayé de vous gérer une bonne petite vidéo combo de skin, vous me direz dans les commentaires si elle vous plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir les gars, on a bientôt les 21 000 abonnés, ça me prend du temps de faire des combos, etc. Les gars, je vous fais confiance, donc les gars, c'était Penta, tchuss.